Chaque fois qu'on monte sous le ring, on risque la vie, nous a dit Yohan Kongolo. Sois prêt à mourir, c'est-à-dire sois prêt à être libre. Débarrasse-toi de la peur, sois libre. La recherche et la boxe sont des entraînements à la liberté. C'est à la liberté que nous consacrons nos esprits et nos corps. C'est à la vie, à la volonté de vivre, de défendre les plus faibles. Mettre fin à la violence que nous voyons et que nous vivons chaque jour. La discrimination contre les migrants, par exemple, contre les milieux défavorisés, la violence contre nous, contre ceux qui ont des idées différentes, contre nos accents étrangers, contre nos corps tout différents, toute cette violence, nous y allons mettre un terme. Et nous allons le faire de manière radicale et immédiate, tous ensemble. De Lausanne, 80 combats gagnés, plusieurs fois champion d'Europe, combattant au Glory of Kickboxing, Yohan Kongolo. Racisme. Moi, des fois, par la même équipe, je me fais contrôler 3-4 fois dans la journée. Il vient de Paris, un doctorat en sociologie, auteur d'articles, de monographies, écrivant des documentaires primés, Hakim Ouallachi. Solidarité. On privilégie les rapports humains dans l'apprentissage. Nous, on est vraiment une famille. I'm at the threshold, tipping point, man. Come push me. Anxiety, I guess, of an old school rookie. Pressure is a blessing. The doubt is the direction that I'm going. I wish y'all stop y'all suggestions. Stop y'all confessions. Stop y'all expressions of your life. Your life expressed just exception. My life? Adapted adjustments. Assessment. Evaluate. Calculate. Investment. Maîtrise. Boxer avec la tête et les yeux, c'est ce qu'on a de plus important. Invert the system, divide it by me, and times it by three. The people now decide, let these hypnotized robots put your fist up. Substance, not image, artists, no gimmicks. And then I step through, sport coat, jogging pants, house shoes, hat straight, represent one, two, representing the one, two. Résistance. À la salle, je suis plus hargneux. Je grogne. La salle est un endroit intime où je peux faire sortir les démons qui sont en moi. Et quand j'ai fait des belles choses à l'entraînement, j'ai l'impression d'avoir dominé tout ce qui me préoccupe au quotidien, d'avoir étouffé mes problèmes et mes douleurs.